Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Stranded Alien Dawn. Et on s'était laissé, on avait enfin la recherche pour la maison. Donc il fallait poser la maison. Alors, est-ce qu'on pose un sol en pierre? On n'en a pas. On n'en a pas, et a priori personne ne veut aller en récolter. Après j'ai demandé beaucoup de pierres quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il récolte. On commence déjà à poser la base en bois. J'ai une meilleure intégrité. Mais en soi, ça change rien. Support solide, isolation thermique moyenne. Ça change pas grand-chose. Hein. Ça change pas grand-chose. Bon, je leur laisse encore un tout petit peu de temps, voir s'ils vont récolter la pierre. Et après, on ira poser lumière, chaleur, les conduits d'aération, le poêle, c'est parfait tout ça. C'est parfait. Donc on va voir. On va voir ce que c'est dit, parce que là ils sont encore sur le bois. Regardez, il restait un petit peu de bois, normalement, après ça va être la pierre. J'aurais pas d'endroit où la stocker. Beaucoup de bois. Au moins, normalement, ma construction devrait être quasiment instantanée avec tout le bois qu'on a en stock. Il y a les lances qui prennent de la place pour rien. Ok, tout le monde dort. Ça va manger, ça va couper le dernier arbre. Ah oui, ça retourne fouiller. Et oui, il y avait la fouille. C'est vrai qu'il y avait la fouille. Simon fait les recherches. Ici, ça va transporter le bois que j'ai laissé. Oh. Il y a tellement de bois. Ouais, oh, elle est en bois, merde. Au bout d'un moment. Alors. Ouais, je pense qu'il faudrait que je bâtisse. Là ça se fait manger, là ça agrandit. Voilà, on va bâtir là. Bâtir là. Parce que là, ça se fait manger. Là ça regrossit. Là. J'aimerais cette hauteur là à la rigueur. Non mais je suis un peu loin là, oui, plutôt bâtir par là en fait. Mais là je suis trop bas là, voilà. Alors on est où là? On est là, c'est pas mal. Oui, j'essaie de... Je peux pas changer la hauteur, en fait. Si, changer la hauteur du sol. Pff, oui, oui. Z ou X. Ah, voilà. Bon, ça sera plus haut, mais au moins... Jamais c'est mangé. Donc, si je mets ici. Ici. Allez. Ici, je veux... Hop. Une chambre. Deux chambres. Trois chambres. Mince. Quatre chambres. Là, j'avais du coup ma 6 par 7. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. T'as le couloir avant. Réfléchis. Là, j'avais ma 6 par 7. Comme ceci. Là, j'avais un couloir de 3.
Là, j'avais ma 6 par 7. Là, j'avais une chambre qui est plus haute. Comment ça qui est plus haute? Bah non. Bah non. Bah non, bah non. Non, elle est pas plus haute. Voilà, elle est là. Là, j'avais une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres. Puis, là, j'avais un couloir entre les deux. Puis, là, j'avais trois salles de 5 par 5. C'était pas mal. Puis, devant... Là, j'avais mes chambres. Là, 1, 2, 3, j'ai la chambre. 1, 2, j'ai le couloir. Donc là. 1, 2, 3, j'ai la chambre. 1, 2, le couloir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc là, j'ai une case libre. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux aller loin comme ça, c'est bon. Okay. Mince, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 13. 1, 2, donc 1 de libre, 1, 2, 3, 4, 5. 1 de libre, pour l'instant je fais ça comme ça. Et on se dit que c'est bon. Allez, on se dit que c'est bon. Puis, donc j'en veux un ici, j'en veux un ici. J'en veux un ici. Voilà. J'ai la base. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Là, j'aurais pas dû. Et là, j'ai merdu. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, mais là, ça comprend le couloir. Alors que le couloir, il est pas censé... voilà. J'ai oublié le couloir. 2, 3, les chambres. 1, 2, le couloir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La grande pièce. 1, 2, 3, le couloir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la grande pièce. 1, 2, le couloir. J'ai oublié le couloir. J'ai oublié le couloir. Donc là, j'étais bon, en fait. C'est juste que là... Bah oui. Là, il a oublié deux cases. Et donc là, là, il a oublié deux cases de plus. Et donc ça, ça se copie ici, et ça, ça s'annule. Et ça, ça s'annule, et ça, ça se copie ici. Aïe, 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 je vous jure. Il sait pas compter. Oh, on a trouvé du carburant, dégradation imminente, production de vêtements, ça c'est cool. On manque d'espace de stockage, vous inquiétez pas. Raffinage des minerais, oui. Et regardez, le bois, il va être vite utilisé, vous allez voir. Nouvelle ressource, le cuir. Ah oui, vous êtes à peine allé chercher le cuir, là. Je vous ai peut-être demandé beaucoup de choses. Mais ça va aller, ça va aller. On va les laisser construire, on va faire bout par bout. Hein. Voilà, on va pas abuser ce coup-ci. On va faire bout par bout. Bon, elle sera toute en bois. Du coup, j'ai peut-être demandé la récolte de trop de cailloux, moi. Bon, ça. On peut annuler le caillou qui est au fond du lac. Je pense pas que quelqu'un ira le chercher.
Allez, avancez-moi ça, s'il vous plaît. Tout le monde dort, mais là, ça se réveille et ça va construire. Et en 3-4 épisodes, on va être aussi avancé que en 15 épisodes. Ok, ça mange. Il va y avoir de la dégradation, oui, mais ça, ça on sait. Finissez de me bâtir tout ce qu'il y a à bâtir ici. Voilà, poser le bois, ça va bien nous vider le stockage. Parfait. Tu construis les escaliers. Sachant qu'ici, à la rigueur, ça sera repoussé un petit peu. Je vais voir. C'est pas définitif, ça. Voilà, parfait. Ça pose de partout. Attaque d'animaux agressifs. Ok. Amber, mobilisé. Bien joué les snipes. Amber. Ah oui, mais... Hey. Cours, cours, Amber, cours, cours, cours. Oh, on va mobiliser que Hugo. Shoot. Parfait. Allez, shoot encore. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin d'Hugo. Elle s'en sort, elle s'en sort, elle s'en sort. Elle gère, elle gère, elle gère. Eh, hey, t'auras le temps de tirer, t'auras le temps de tirer. Hugo, viens en renfort, viens en renfort. Allez, t'auras le temps de tous te les faire. Tu vas pas te faire avoir, t'inquiète. Hugo! On sort. Allez, achève-moi celui-là. Eh, hey, c'était une belle gestion, hein. On a juste eu à mobiliser Hugo et Amber. Voilà, Hugo, besoin d'aide. Amber recule. Tire. Oh, raté. Ok, Hugo, on peut te démobiliser. Est-ce que tu peux pas te faire celui-là au passage? Et celui-là. Ouais, bon, allez. Hop, du coup, vous allez me dépecer tout ce qui traîne ici. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez pas récolter un peu ce qui traîne? Non, on a pu. Ok, tout le bois est posé. Maintenant, faut que ça construise. On va attendre qu'elle ait posé toute la fondation avant de poser des trucs dessus. Hein. Aussi, on va pas déconner, on va pas faire n'importe quoi. Ok, il y a l'infusion de thé. Parfait, on peut rechercher la saumure. On peut rechercher l'extraction d'huile qui peut nous être utile. L'armure en cuir végétal et les saucisses de foin. Voilà.
5 embers d'or. Pour l'instant, elle n'a pas posé le reste. Il me reste du bois, mais il va falloir que je demande à ce qu'on coupe, bien sûr. Personne n'est parti extraire les rochers. Hein. On a fait les fortifications, ce qu'il va falloir poser. Maintenant que j'ai posé les bases de la maison. Agriculture alimentaire. On se pose les 6 steaks sur le côté. Mais là ça va me gêner avec les arbres, je vais rien voir. De toute façon. Voilà. Et récolte tant qu'on y est. Non, ça se récolte pas ça. Ah, c'est pas prêt à être récolté. Parce que je veux décaler les champs, bien sûr. On va poser tout de suite les paratonnerres. Un là. Un là. Un là. Et un là. On manque de matériaux. Il n'y avait pas des débris de vaisseau à fouiller par là. Alors on va quand même se sécuriser un minimum. On va chercher à effectuer la saumure. Moi j'aimerais poser mes champs. Ou alors je barricade la base là. Et après je fais une deuxième barricade pour les champs. C'est peut-être pas mal d'entourer la base ici déjà. On va faire ça. Je pense que j'entourerai cette base. On va voir déjà comment on peut faire, comment on peut poser tout ça. Ah, j'ai demandé quand même pas mal de construction. Je pense que je vais pousser de 5 cases supplémentaires là. Ouais, je vais faire ça. Pousser de 5 cases supplémentaires. Du coup là j'ai une vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une vide. Ah ouais. Faudrait que ça soit un peu plus haut. J'avais pas prévu, ou alors je lève toute cette partie là. On va faire ça. Ça m'arrange pas d'avoir un escalier en plein milieu de ma salle. Ça va être une seule et même grande salle, vous allez voir. Annulé. Bam. Ou à la rigueur, je pose d'abord ça.
peut-être pas mal. Hein. De poser d'abord cette, cette base. Ça, c'est la base que vous connaissez. Avec du coup les chambres, la salle. Je pose d'abord cette base, je leur mets des chambres. Et après, je pose le reste. Ouais, mais le reste, en fait, va être très simple à faire. Non, allez, je pose le reste. Hop. Copier, donc, 1, 2, 3, les chambres. 1, 2, le couloir, là. Jusqu'à, normalement, ça faisait 13. Ça faisait 15, même. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. 15 par... Du coup, il faudrait que ça fasse 15 par 10. Non, 15 par 12. Que je veux 10 cases plus 2 cases de libre. Il faut que ça fasse 15 par 12. C'est gigantesque ce que je fais. Avec une entrée là, une entrée là, une entrée là. Et ça donne là, là et là. Voilà, techniquement ça va donner ça. Sachant qu'ici ça va à peu près jusqu'à l'entrée. Ouais, j'aurais pu ça, j'aurais pu le décaler. Attendez. Je pourrais même le caler comme ça. Hein. Là, juste à côté de la maison. Comme ça, comme ça. Et ceux-là, je peux les enlever. Là, techniquement, si je regarde, je peux en faire un autre. Ouais, voilà, ils se mangent tous un peu. Ouais, mais techniquement, il est là. Techniquement, il est une case plus, deux cases plus loin. On va faire ça. Mais là, le milieu de la maison est pas pris. Bon. Je le mets là, c'est pas mal. 1, 2, 1, 2, ouais. 1, 2, voilà. 1, 2, 1, 2, tac. Ça, on annule. Ça, on annule. Voilà. Normalement, là, le milieu de la maison, voilà, est pris. Bon, on va avoir les fondations. Ça veut dire qu'il serait obligé de passer par là pour sortir à chaque fois. Non, faut que je fasse... Faut que je fasse une sortie là. Ce qui voudrait dire que je pousserai et que je ferai des couloirs de 3. Oh, ça sert à rien des couloirs de 3. 2, c'était bien. Mais je peux mettre une porte à chaque côté... Je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir une porte de chaque côté, parce que là, ça fait loin. Là, techniquement, la seule sortie de la maison, c'est là. Ça fait un peu loin. Ou alors, je fais deux portes sur les côtés. Je fais deux portes sur les côtés. Là, ouais, je sais pas. Ça pourrait être pas mal. Ou alors je fais une petite porte là. Là, j'ai des petites portes sur le côté au cas où. Je pense que ça va peut-être se faire comme ça. Hein. Dégradation imminente, oui. Et j'ai pas de... J'ai pas ce qu'il faut pour malheureusement conserver pour l'instant. Alors, j'hésite à mettre une petite
petite porte sur le côté quand même. Hein. Mettre des petites portes là. Pareil sur le côté arrière, s'il faut que ça sorte du côté arrière. J'ai dit que je la laissais poser tout ça avant de poser les murs. Après, on va délimiter les pièces. On va la laisser construire toutes les pièces. Et une fois que les pièces sont posées, on va délimiter les meubles à l'intérieur. Voilà, on va faire étape par étape. Pas de précipitation. Ouais, ils ont des risques de crise de nerfs, mais... Ou bien je vous oblige. Je vous oblige à avoir de la détente de 21h à 23h. Allez. 21h, 23h, vous avez 3h, vous êtes obligé de vous détendre, vous amuser, vous détendez. Voilà. Non, 2h. Ou le matin, c'est ça. Non, attendez, là vous faites tout ce que vous voulez. Non. Oh si, 21h et 22h, vous détendez, zut, voilà. On est parti explorer, mais on n'y est pas encore. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Et avant de partir explorer, on va se poser la base. Ok, on va avoir les fondations de la maison. Sachant que là j'ai prévu 8 chambres, mais je peux agrandir, parce que les chambres seront là, là. Donc je peux largement agrandir de ce côté-là ou plus loin là-bas. Tout est calculé pour l'instant. Je pense qu'il me faudrait des escaliers sur le côté. Parfait, l'armure végétale. Oh, il est bon dans les recherches là, Simon. On a rattrapé toutes les recherches qu'on avait déjà faites. Non, on avait pas, on avait le démantèlement de vaisseau. Les outils, à la rigueur, ça serait pas mal. La domestication, ah, faudra qu'on fasse ça. Bon, on finit ça. On finit de poser la maison, après faudra qu'on s'attaque à la domestication, mais quand on sera sûr que la... qu'on pourra survivre, bien sûr. Il y a un orage. Oui, mais je m'en fous, on a posé... Tous les paratonnerres. Ember risque une crise de nerfs. Oui, bah en même temps, elle construit en boucle. Et ses vêtements vont être détrempés. Animaux agressifs ici. Ah, Ember, je suis désolé, t'es en train de manger. Allez, viens. J'ai l'impression qu'on en a de plus en plus là, enfin, plus en plus vite. Tous se les tomber avant qu'ils viennent nous déranger.
fuis. Fuis pour ta vie. Eh ben non. Parfait, on l'a eu. On a eu peur là. Donc on arrive à gérer sans que... sans qu'il nous embête. Ils sont loin les autres. Ah, je les vois pas. Et là, il y en a un. Il y en a un qui attaque. Et là. Et l'autre est super loin. Je le vois pas. Ah si, bravo. Bravo. Bien joué. Allez, dépecez-moi tout ce qui traîne ici. Et... s'il vous plaît, allez me finir la... Tue-moi ça. Merci. Voilà, tu es démobilisé. Non mais... Il traînait sur le nouveau parquet. Bon, nous, c'est là-dessus. Hop, j'ai pas mis pause. On va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.